Bon, des mois d'avril, j'en ai passé quand même pas mal dans ce monde, hein. Quand même, à 54 printemps. Ouais, je suis né en hiver. Bon, bah ça, je m'en rappelais pas avoir vu ça. Ou alors j'étais en Inde, normal, quoi. Bon, cela étant dit, je ramène par ici bah des plans, parce que je vais avoir besoin de place dans la petite serre. Donc j'ai ramené les roses trémières, la rue officinelle, les boutures plus ou moins concluantes de Jaogulan, boutures de cyclanthère et pas boutures, hein, des plans, c'est moi qui ai fait les semis, attends, et où quand même? Plans de ricin. Côté oignon, tout va bien. Pour l'instant, je n'ai pas besoin des pots, ils vont rester là. Ah, j'en manque pas là. Hein. Ah, ouais, j'aime bien. Ça, ce n'est plus l'heure d'en manger. Parce que ça a des propriétés un peu toniques, le Jiaogulan. Donc bon, j'ai déjà assez de mal comme ça à dormir. Le petit plant de houblon, depuis que je lui ai mis une ficelle. Ah, lui, il y va bien. Il a compris comment ça se passait. Bloup, là. J'aime beaucoup cette intelligence inconsciente du vivant. Je trouve ça génial. Les cyclanthères que j'ai mis en pleine terre pour l'instant, c'est pas top. Ah, tiens, j'ai une pomme de terre qui sort là. Enfin, un patatier. Haricots. Bon, c'est pareil, ça manque un peu de lumière. Pour l'instant, ils ne se sont pas fait bouffer, c'est toujours ça. Là aussi, bon, là-bas au fond, je pense que j'ai été un peu présomptueux là. Je pense que ça manque trop de lumière pour ce type de plante. Le Jiaogulan, ça a l'air de ne pas trop le gêner, mais le reste, hop là. Bon, voilà. Hop, 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 hop. Ouais, j'ai ressorti le parasol, hein. Ça fait tout de suite été quoi. Bon, là-dedans, je verrai plus tard. Je laisse se débrouiller, elles se battent entre elles. Les quatre poules, en fait, les plus jeunes, ont vraiment des caractères d'autruche. Bref. Tout à l'heure, celle qui couve au fond, là, et d'ailleurs, j'aurais dû noter, je sais plus si j'ai noté à quelle date elle a commencé à couver, mais j'ai l'impression que là, elle couve que dalle, quoi. Enfin, pour rien. Il y a juste un œuf. Ça veut dire que ça fait 3 semaines minimum qu'elle est mobilisée pour un œuf. Bref, j'aurais mieux fait d'aller chercher des poules au marché. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Je les aime bien quand même. Bon, ça n'a pas l'air d'être réciproque par contre. Et hop, bon, je m'étais dit, bon, en fait, non, cette année, je ne vais pas faire de maïs. J'ai trop lutté l'année dernière. Mais là, je vais m'y prendre autrement. Je vais commencer directement à semer mon maïs en jardinière. Donc là, il y en a déjà une. Là, c'était juste pour vous montrer. Je vais recouvrir avec un tout petit peu de terreau. Pchit, un coup de pipchit. Une grille. Parce que bon, maintenant que j'ai compris que les prédateurs au sol, dans la terre, n'étaient pas les mêmes que ceux qui venaient sur mes étagères. La magie du vivant. Bref. Donc bon, si je pouvais éviter de me casser la nénette pour rien. Donc bon, je vais essayer comme ça, de toute façon, bon, je sais pas pourquoi je fais ça. Du maïs, j'en ai plein là-dedans, là. Et j'en fais pas grand-chose, à vrai dire. Bon, on va dire que c'est encore de l'expérimentation. Bon, surtout que j'ai un spot sur bâche où apparemment il se plaît, donc je vais réessayer d'en mettre au même endroit. What else? Les armoises, là, que j'ai reçues, en colis. Bon, celle-ci, elle n'est pas super jouasse, hein. Elle a l'air de repartir, mais c'est quand même pas la grande forme. La plus petite, là, bon, ça a l'air d'aller pour l'instant. Là, je viens d'empoter. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça déjà? Mince. Kiwanu. Ouais, faut que j'ai rien marqué sur l'étiquette, bravo. Kiwano, parce que là, alors du Kiwano, je vais en avoir beaucoup.
Trop. Alors d'ailleurs, il faut que je fasse des recherches pour savoir, parce que si j'en mets à l'extérieur, je suppose que ça fera du feuillage, mais rien de plus, quoi. Je doute d'avoir des fruits ou légumes, je sais plus. Les poivriers de Sichuan. Bah, du coup, ça y est, je commence aussi à en faire en godet. Là, il y a un iris des marais, enfin normalement, parce que c'est le seul truc qui est sorti dans la gamelle où j'ai semé. Bon, dans le doute, je l'ai retiré de la gamelle et je l'ai mis là. Il y a des trucs qui n'ont pas grand-chose à faire là, mais bon, pour l'instant, je les laisse. Ouais, les petits plants de tomates, on verra. J'ai mis des haricots au fond, du coup. Principalement, bah, j'ai mis, je crois, que des haricots rouges espagnols. Parce que dans de bonnes conditions, ils peuvent être vivaces. C'est-à-dire que bah, l'année prochaine, ils pourraient repartir du pied, enfin de la racine. Donc bon, ça c'est intéressant. Donc à vérifier selon les climats. Tout ça, ça y va. Bon, mes petits raisins de pépins de pommes. Bref. Bon, bah, ils ont l'air partis. D'ailleurs, en parlant de raisins, je suppose que je vais demain peut-être essayer de me trouver du raisin bio, récupérer les pépins. Je voulais faire ça avec quoi d'autre aussi? Ah oui, poire. Je mettrais bien des poiriers aussi. Mais pareil, j'aimerais partir du pépin. Voilà. Ça me plaît bien de suivre tout le processus. Je trouve ça assez intéressant. Bon, bah voilà. Bon, bah, je vais m'occuper de finir ça, mettre la grille. Il faut que je trouve un poids pour mettre dessus. Et puis, ça devrait aller comme ça. Ciao.